je voudrais demander à M. Mokhtar, excusez-moi, comme il maintient que le colonel avait dit qu'il faut charger, en ce moment, est-ce qu'ils étaient côte à côte? J'étais à côté de lui. Quand la tension est montée, M. Kebro c'est a bon, dit vous avez répondu, chargé. Hein. D'accord. Je le maintiens. En face de vous, il y avait des policiers ou des gendarmes? Il était à côté de ses hommes. Ses hommes étaient à côté de lui plutôt. Estimé au nombre de combien? Je ne sais pas. Ce n'est pas un interrogatoire. D'accord. Monsieur, à votre avis, le mot chargé signifie quoi? La question, c'est pour qui? C'est pour M. Ba, le mot chargé. Bon, ce n'est pas son interrogatoire, on reprend, ou son audition, on est en train de reprendre. Voilà. Il faut qu'on soit d'accord. Monsieur, mon colonel. Ouais. Si tu veux. C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Hein. Allez-y. Merci, monsieur le président. Mon colonel, en face de vous, il y avait des gendarmes? Quand moi je suis arrivé le matin, la gendarmerie n'y était pas. Qu'est-ce que tu as dit ça ici? La gendarmerie n'y était pas. Il y avait quelques éléments de service spéciaux que personne n'a vu à côté de moi. Blaise l'a dit ici. Et il y avait des policiers avec bafoué. Et dans ce cas, chargé concerne. C'est bon, c'est répondu. Okay. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de gendarmes. Vous avez été côte à côte. Avec qui? Avec M. Ba. M. Ba m'a intercepté quand j'arrivais. Mais est-ce qu'il était à côté de moi? Il y avait plein de journalistes, hein? Plein de journalistes. Est-ce qu'il était à côté de vous? Non, je ne l'ai pas observé à côté de moi. S'il m'a observé, moi, je m'adressais aux gens qui étaient manifestants. J'en ai fini. Merci, Monsieur le Président. C'est bon. Vous pouvez rejoindre votre place, Monsieur Camara et Monsieur.